bus 86 le 27 le 26 juin rue du Faubourg Saint-Antoine. Et on arrive à côté de l'hôpital Saint-Antoine. Cette rue est très importante sur le plan historique. Dans Paris, il s'est passé beaucoup de choses. Malheureusement, on ne verra pas. En fait, l'hôpital Saint-Antoine n'est pas du bon côté. Oui. La Forge Royale, c'était la rue qu'avait empruntée Louis XIV lors de son entrée dans Paris. Se rendre du château de Vincennes au Louvre, et c'est la rue que malheureusement ont pointé les condamnés à la guillotine sous la Terreur. Un artisan tapissier, le Faubourg Saint-Antoine était connu pour ses fabriques de tapisserie et de papier peint pour tapisser. Rue Bonnet. Et on va passer devant la rue des immeubles industriels, qui est une rue assez curieuse, où tous les bâtiments sont semblables. Dans la station.
Voilà la rue des immeubles industriels. C'est bien que les bus s'arrêtent. C'est une des rues les plus curieuses de Paris. Non, mais je vais descendre, madame. Vous voulez pas faire ça? Je descends de suite, je descends pour faire l'arrêt, merci. C'est très gentil.
Ouais. L'avenue du Trône, qui est la seule avenue de Paris qui est plus large que longue. Et que se passe-t-il quand on est pressé? Le feu se met au rouge. Voilà, c'était une petite balade dans Paris. Il va se terminer en musique. Dans nos musiques, la tête dans nos.